Go! The following tag team contest is scheduled for one fall on the way to the ring. At a combined weight of 479 pounds, Jimmy Uso and Jay Uso. The Uso. Four of WWE's finest squaring off in what will assuredly be an exciting tag team encounter. It doesn't get much more exciting than this. Quoi? Attendez. On était censé avoir un match, là. Que s'est-il passé? Donc, salut tout le monde, bienvenue pour le 4e épisode de ma carrière sur WWE 2K17. Et je ne comprends absolument pas ce truc. Résultat match, mais quel match? Il n'y a pas eu de match, on doit affronter les Usos. Of a great one. Singles match coming up next. We have a real fan favorite. Biggie. A match of epic proportions. Biggie. Ok. Y'a pas eu de match. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, on a les résultats des autres matchs, mais j'ai pas eu mon match. Je pouvais attaquer les Usos, mais pourquoi est-ce que je l'aurais fait? Je suis gentil. Guy. Allez, projection, tu dégages Bubba Ray, voilà, corde à linge, bon, oh mon dieu, ce méli-mélo dès le début de l'épisode quand même, avec cette situation totalement absurde, parce qu'on ne sait pas défiler hein, quand même, je tiens la précision, on ne sait pas défiler, attention, Lance, sur la troisième corde, et cette fois-ci, ça passe. Car oui, on a besoin de se rattraper parce qu'on a perdu notre match. C'est tout. Monsieur fait une descente du coude et puis c'est tout. Ok. Donc disais-je, on a commis des erreurs. Lance a raté ses plongeons. Moi, j'ai raté mes interventions. Revient la Divonne. DDT. Bon, bah tu dégages. Voilà, j'en ai rien à faire. Je suis un rebelle. Faut pas m'énerver. Et Bob m'avait insulté, voilà. Allez, DDT. Divonne est sonné. Projection dans les cordes. Boum, tu bouffes mon genou. Tentative de tomber. Et ça pourrait suffire en plus. C'est que ça pourrait suffire. Eh non, Bob. Pardon, c'est Divonne qui s'est dégagé. Et bah écoutez, hop là. Ouh, bien joué. Bien joué. Il a évité le brise-nuque. Attention, peut-être pourrais-je contrer, non? Oui. Ouh, le contre. Ouh, superbe, sublime. Le contre de la... En powerbomb en plus, en sunset flip. Enfin, pas vraiment en sunset flip. Bon, peut-être, si. Allez. Voilà. L'avant-bras. Allez. Oh purée, il est pas bien placé. Je peux le finir. Donc, allez. Avec ce contre magnifique, j'ai pu reprendre un gros avantage sur Divonne. Non. Voilà. Oh le. Jimmy. Denied. Bon, là, j'ai une bonne raison de l'attaquer. Bon, attendez, que je le cible. Et après, il va voir ce qui... Voilà. Voilà, mon nom est Kev Raker, ne l'oublie pas. Et la prochaine fois, tu m'en mettras pas. Allez, Divonne se relève. Est-ce que Lance me demande le relais? Non, tu vas te relever ou non? Ah! Allez, kill switch. Bim. Allez, Kev. Divonne contre. Ok. Bon, je pense qu'il faut absolument que je passe le relais à Lance. Mais il faut que je lui passe le relais proprement. Qu'il ait un avantage dès le début sur notre adversaire. Allez, vas-y, Lance. Vu que t'es... bien en point, tu vas pouvoir finir le match. Mais dégage, Bob. Dégage. Dégage de là. Bob Ray. Voilà. Non, mais. Allez, Lance. Vas-y, Lance. Magnifique. 450 splash. Je suis de retour dans mon coin. L'arbitre est content. Allez, Lance. Oui, donc disais-je. Non, je l'ai dit. Je crois que j'ai pu le dire.
Non, bah, tu m'attaques pas. Allez, vas-y. Vas-y, Lens. C'est un peu le bazar, ce match. C'est un peu le bazar. Allez. Dégagement de Lens, voilà. J'ai anticipé parce qu'il était vraiment... vraiment pas très mal en point, quoi. Genre, c'est la seule prise qu'il s'est pris de tout le match pour l'instant. Et... Mais est-ce que t'es vraiment paresseux à ce point-là? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, il pense pouvoir être... jouer mieux son rôle dans l'équipe en étant celui qui dégagera Bob Ray du tablier pour l'empêcher d'intervenir. Ok. Il sent peut-être que je suis sur le point de finir Devon. Eh bah écoutez, on va pas le décevoir. On va relever Devon, on va le coucher et on va porter le Phoenix Splash. Attention, ah mince, Devon qui veut passer le... Oh non, non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Ah non! Mais non, je vais me prendre le finisher, mais c'est pour ça qu'il m'a passé le relais, l'autre abruti, là. L'autre paresseux. Attention, 3D! Oh mon dieu. Et l'arbitre dort, mais c'est pas possible, mais tout est bugué aujourd'hui. C'était pas le jour pour enregistrer. C'était pas le jour. Non, bah, c'est pas une bonne idée. Non? Non? C'est pas une bonne idée. Non mais je te le dis, c'est pas une bonne idée, arrête. Le fais pas. Le fais pas. Je te l'avais dit. Tu m'as pas écouté, Barbe. Allez, descente du coude. Voilà. Je lui tortille le bras. Et par contre, Lens, il va falloir que tu y ailles. À un moment quand même. Mais bon, je suis sympa. Je suis très sympa. Je vais l'affaiblir encore un petit peu pour toi. Alors, je voulais te projeter dans le coin, j'ai pas réussi, excusez-moi. Et excuse-moi, Lens. Voilà. En espérant qu'il ne contre pas, ça passe. Voilà, moonsault attack. Boum. Alors, Lens. Vas-y, cette fois-ci, tu restes un peu plus longtemps. Te marre pas, Becky. Je vois son petit sourire en coin, elle est en train de se dire, mais il est tellement en train de galérer, Kev. S'il te plaît, Becky, sois gentil, ne te moque pas de moi. C'est cruel, Becky, c'est cruel. Attention, Bubba Ray qui esquive l'attaque de Lens. Oh, German Suplex. Dis, Becky, ne tourne pas le dos, Becky. Becky. Non, je plaisante, Becky, je plaisante. Je plaisante. Mince, du coup, je perds mon momentum. Excuse-moi, Becky. Non, mais c'était pour te charrier un petit peu. Non, parce que tu te moquais de moi, je le voyais, hein, je le voyais. Attention à Devon, oula, qui amène Lens Xander au sol. Bon, sinon, Lens, tu fais quoi depuis tout à l'heure, là? Tu te fais massacrer par les Dudley Boys. Bon, Kev, arrête de regarder Becky. Regarde un petit peu ce que fait Devon sur le ring. Il est en train de martyriser ton coéquipier. Alors, de deux choses l'une. Soit on n'est jamais champion par équipe, soit on l'est dans très 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 longtemps. Lens, lève un petit peu tes fesses de ce ring, traîne-les jusque dans notre coin et passe-moi le relais, je t'en conjure. Oui, oui Lens, vas-y. Oui Lens, attention, Dragon Suplex, parfait Lens. Je suis désespéré. Ah bah oui, voilà. Oh bah ça c'est étonnant. Devon a eu le temps de casser le tombé. Je suis pas entré sur le ring, j'étais trop occupé à me cacher le visage en voyant que l'arbitre était en train de dormir. Et là il dit rien. L'arbitre ne dit rien. Bon, Lens. Non, Lens. Je voulais pas entrer sur le ring, je voulais demander le relais à Lens. Ça c'est bien Lens. Vas-y Lens. Passe-moi le relais. C'est la meilleure chose que tu puisses faire maintenant. Allez, Lens. Qu'est-ce que tu fabriques? Oui, bien, Lens. Parfait. Excellent, Lens. Maintenant, tu me passes le relais. Passe-moi le relais, Lens. Le petit geste à la fin, genre, oh, et puis zut, débrouille-toi. Lens. Lens. Becky, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Est-ce que je le tape ou est-ce que je pars? Ah, oui, merci. Ouh, bon. Allez. Mon Dieu, c'est le match le plus... Le plus difficile, psychologiquement, que j'ai dû faire jusqu'à présent. Dans WWE 2K17, bien sûr. Allez, Phoenix Splash
Voilà, merci d'être venu. Bonne nuit. Oh. Je te remercie de te dégager. De... Bon, monsieur l'arbitre, il y a un moment, il faudra arrêter ce genre de truc. One way or another. D'une façon ou d'une autre. Alors, Lens, regarde un petit peu comment on gagne un match. Oui, je vais descendre, monsieur l'arbitre. Mais, j'avais deux finishers. J'étais certain d'avoir deux finishers. Est-ce que j'ai eu un bug encore? Oh, je vais craquer! Ma santé mentale m'abandonne, je crois. Bon, Devon a pris le relais. Et Boba me tape encore. Il se permet de me taper encore. Bon, j'en ai marre, il faut finir ce match. Il faut finir ce match au plus vite. Donc voilà, tu prends ça, tu bouffes mes pieds dans le torse et j'en ai marre. Allez, voilà. Hop, Anakin Device. On espère que vous avez passé une bonne soirée. Et oui, bah oui, quand je vous disais que l'IA se défend beaucoup mieux. L'IA se défend beaucoup mieux. Bon, tu vas venir là pour te prendre la Bexplex. Bon, je vais t'envoyer vers Becky. Voilà, regarde Becky, youpi. Allez. Non. Oh là là, ce genre d'erreur, justement, c'est le truc qu'il faut pas faire. Voilà. Devon se fait retourner comme une crêpe et boum, inverted Frankensteiner. Je finis là-dessus, j'en ai rien à faire. Je m'en fiche, j'en ai marre. Allez. Gre. Allez. Coup de pied dans le dos. Parfait. Bien. Allez, j'en ai marre, voilà. Je lui fais signe que c'est fini. Descente de la jambe. Ah bah j'ai les plongeons avec rebond. Bah, j'ai oublié. Oh dommage, le moonsault n'est pas passé. Dommage. C'était bien tenté. Bon, il m'attaque pas. C'est une erreur. Voilà. Devon est sonné. Ouais, c'est ça, Lens. Fais le mec qui est fatigué. Oui, tu t'es fait taper, c'est tout ce que t'as fait dans ce match. Allez, voilà. Tentative de tomber sur Devon. On espère que Bob Orr arrivera beaucoup trop tard. Et c'est le cas, il arrive beaucoup trop tard. Et on gagne ce match. Pouf. Mais qu'est-ce que c'était? Bon. On avait plutôt bien commencé avec l'épisode 2. On avait fait des débuts fracassants dans le roster principal. Et avec l'épisode 3, bon, on a connu des difficultés. On s'en est sorti une fois, on a perdu l'autre fois. C'était pas grave. Mais là, disons que le jeu m'a un petit peu contrarié. Je peux pas vous le cacher. Bon. On apprend. Lens et moi, on apprend. Et ce qu'on a appris dans ce match, et dans le match contre Breeze & Go également, c'est qu'on a quelques petites choses à régler. Où est Becky? Où est-elle? Elle n'est pas là, c'est très étrange, c'est très suspect. Bon, match en solo contre Seth Rollins. Le match entre les Dudley Boys a été très compliqué. Vous ne l'avez pas vu en entier parce qu'il était assez long en fait. Et l'essentiel à comprendre est qu'on a un petit peu galéré. J'ai eu un début de match assez compliqué. Lens était un peu paresseux. Une fois qu'il était sur le ring assez longtemps, il s'est fait tabasser. Et c'est moi qui ai gagné le match. Bien que le jeu m'ait volé un finisher. Voilà. Donc ça résume plutôt bien la situation. Et j'affronte de nouveau le champion du monde, Seth Rollins.
C'est donc une revanche pour Seth Rollins. Trois semaines après sa défaite contre moi à Raw lors de mes débuts, peut-être s'est-il dit, en voyant mes performances récentes, que ma victoire contre lui était certainement un coup de chance. La chance du débutant. Et peut-être a-t-il raison. Car là, ça va être un très 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 gros test, un test très important en solo. Car en équipe, on l'a vu, ça marche moyennement. Bon, contre les deux Dudley Boys, on s'en est bien sorti. C'était dur, mais on s'en est bien sorti. Peut-être aussi parce que j'ai été un peu plus sur le ring, donc j'avais un petit peu plus la situation en main, j'avais plus mon mot à dire dans le match. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est agréable quand même d'avoir un petit peu le contrôle du match. Parce que la dernière fois, face à Breezango, j'ai laissé Lens s'occuper un petit peu de nos adversaires. Et bah, j'avais pas trop le contrôle du coup. Donc c'était un peu frustrant pour moi et pour vous, d'après ce que j'ai vu. Mais détendons-nous, ce n'est qu'un jeu. Après tout, si c'était trop facile, si on gagnait tout le temps, ce serait un petit peu ennuyeux. Et comme je le dis bien souvent, la victoire est encore plus douce lorsqu'on a déjà goûté la défaite. Ah ouais, c'est bien de galérer un petit peu, comme ça, ça on a un petit peu de résistance. Voilà. Ah, c'est pour ça que Becky Lynch n'est pas là. Ouais. Il y a encore des moyens de découvrir qu'il y a des interventions cachées. Des interventions qui vont intervenir. Hop. Fandango, qu'est-ce que tu fais? Non. Tu changes de coin, tu vas dans celui de Seth. Non, tu me soutiens pas moi. Non, il n'y a que Becky qui a ce droit-là. Attendez, pourquoi Fandango veut me soutenir moi alors que nous avions été, que nous avons été adversaires? Pourquoi? C'est très suspect. Attention, non, ça c'est mon finisher, donc t'as pas le droit de me le piquer. J'ai pas le droit de me le prendre surtout, ça aurait été un petit peu embarrassant. Le coup de pied est moyennement bien passé. Allez, projection dans les cordes. Allez, on essaie de se racheter, on passe en dessous, on passe au-dessus. Et ah, trop tôt, j'ai commis une erreur, donc c'est pas grave, on attrape Seth. Ah, il y a encore quelques petites choses à ajuster. Mais bon, ça va, j'ai dormi entre le match par équipe de tout à l'heure et celui-là. En d'autres termes, l'épisode est enregistré sur 2 jours. Allez, Seth Rollins est au sol, j'attends qu'il se relève et je me jette sur lui. Ouh, la corde à linge n'est pas passée malheureusement. Voilà, bon coup de poing, Seth Rollins a reculé. Ah, j'ai tenté de le retourner parce que les prises par derrière sont assez rarement vues en fait dans mes matchs. En plus, j'aime bien l'animation pour retourner l'adversaire, un bon gros coup de poing dans la face. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, parce que je l'ai jamais fait remarquer, mais ça fait un moment que je le remarque. Maintenant, quand Liliane Garcia nous annonce, elle annonce également notre poids. C'était pas le cas dans les autres jeux WWE. Et donc, moi, je pèse donc 179 livres. Voilà. Allez, German Suplex sur Seth Rollins. Ouais, tu vois, Seth, on discute un petit peu, mais je reste un petit peu sérieux quand même. Voilà, j'enchaîne. Voilà, je vais peut-être frimer un petit peu pour provoquer Seth Rollins, voilà. Pour lui montrer que je ne plaisante pas, il se relève. Coup de poing pour tenter de le retourner, il contre. Voilà, parfait, Seth Rollins se fait renverser. Coup de poing dans ta face, je te retourne. Et oh, Half Nelson Neckbreaker, yeah! Allez, capte encore le bonus de dégâts, profites-en. Descente de la jambe. Et on enchaîne encore une fois. En profitant que Seth Rollins ne puisse pas contrer. En profitant qu'il ne puisse pas. Voilà, c'est dur, c'est le matin pour moi là. Donc Seth Rollins est à terre. Et ça se passe plutôt pas mal en fait. DDT sur Seth freaking Rollins. Eh ben écoutez, on est peut-être bon pour un petit coup de genou là. Seth Rollins, le champion du monde, est en grosse difficulté face à moi. Et bim! Oulala, ce coup de genou est violent. Je l'adore. Et Seth Rollins connaît bien les coups de genou également, n'est-ce pas? Et dégagement de Seth Rollins. Et il est en grosse difficulté, le champion. Oh bah, c'est parfait. C'est absolument parfait. Phoenix Splash. Ouh, magnifique. Est-ce que ça va suffire? C'était juste Seth Rollins se dégage d'un rien, il se dégage d'un rien. Le champion du monde reste dans le match, mais que c'est dur. Que c'est dur pour Seth Rollins. Ouais, allez, il se rebelle.
Il reprend le dessus, il m'a balancé par-dessus la troisième corde. Et c'est vrai qu'il m'a pas fait beaucoup de dégâts dans ce match pour l'instant. Oh, le contre-majeur, ouais, ça c'est pas mal. Contre-majeur, boum! Alors je ne sais pas du tout ce que j'ai comme bonus, si c'est un bonus de momentum ou de dégâts. Momentum, ça m'arrangerait en fait. Allez, backbreaker. J'ai les plongeons avec les cordes, mais également vers l'extérieur comme ça. Donc on va en profiter. Oh, le moonsault, yeah! Allez, il faut que je sois en contrôle dans ce match. De bout en bout maintenant. Voilà, Seth Rollins est au sol. Monsieur l'arbitre, aïe, l'arbitre est sur le chemin, donc je ne vais pas plonger. Je ne vais pas tenter le diable. Voilà, descente du genou. Seth Rollins a mal au dos. Et c'est étonnant que le match soit aussi peu difficile. Butterfly Backbreaker, magnifique. C'est marrant, j'ai l'impression que je me débrouille beaucoup mieux en solo qu'en équipe. Et c'est un petit peu normal parce qu'en équipe, voilà, il faut faire des concessions, voilà, il faut parfois laisser notre coéquipier faire son petit bout de match. Ouais. Donc c'est peut-être plus compliqué pour moi d'être en équipe. Bon, cela dit, on a progressé avec notre match contre les Dudley Boys et boom, moonsault attack et c'est peut-être fini. Eh non, Seth Rollins n'a pas encore perdu. Il est coriace, hein, il est solide. Alors après, peut-être que mes puissances de prise, puissances de coups de genou, etc. ne sont pas suffisantes pour finir un match très rapidement. Bah écoutez, on va tenter d'amener Seth Rollins encore une fois au sol. Oh non, c'est contré par Seth Rollins, le champion du monde. Et j'ai envie d'être joueur. J'ai envie de le laisser placer un coup spécial et de me dégager après deux. Allez, je m'en fous, je tente. Oh oh, ça sent la turnbuckle powerbomb. Allez, pour augmenter un petit peu la note du match et pour rendre le match un petit peu plus difficile. Je vais être honnête avec vous, si je le perds là-dessus, j'en ai absolument rien à faire. Après, bien sûr, s'il passe un finisher, ce sera différent. Je tenterai peut-être... j'utiliserai peut-être la révolte pour me dégager. Allez, il m'a étranglé. Il s'est fait plaisir, la Seth. Ouais, c'est un dégagement facile, normalement. Voilà, c'était un peu limite là aussi, mais bon, Seth Rollins est bien dégoûté parce que l'arbitre a eu le temps de taper le sol parce qu'il n'a pas pu arrêter sa main à temps. Et ouais, il n'a pas pu arrêter sa main à temps parce que je me suis dégagé vraiment au dernier instant possible. Et Seth Rollins est prêt à m'achever. Mais bon, Seth, je suis navré. Voilà. Mais moi aussi, je veux gagner. Attention, Death Valley Driver. Allez, je te retourne. Bim. Voilà, donc Seth est au sol. Je pense pas qu'il puisse contrer avec un pedigree ce plongeon là. Voilà, magnifique. Allez, deuxième Phoenix Splash. L'arbitre se place pour bien voir les épaules de Seth Rollins. Il se dégage encore. Seth Rollins qui se dégage après deux Phoenix Splash. Il a même pas utilisé son finisher. Et excédé, je me jette sur Seth Rollins, plaçant Nakam Device. C'est vrai que j'ai l'impression que le joystick répond pas, enfin le mini-jeu répond pas hyper bien au joystick. Voilà, coup d'avant-bras, Seth Rollins est encore au sol, descente du coude, petite, allez, provoque vers le public, allez, on se fait aimer du public, voilà. Rollins est au sol, j'ai un bonus de momentum, mais je vais quand même encore tenter la prise de soumission, ça ne passe pas, Seth Rollins avec le brise-mâchoire, attention, il pourrait tenter le pedigree, oui, il le tente, non, oh c'est pire. Le curb stomp, boom! C'est peut-être ce qu'il fallait à Seth Rollins pour gagner ce match après deux. Oui, le dégagement après deux. Ah, là je me sens bien. Là j'ai oublié tous les désagréments que j'ai subis dans mes matchs face à Breezango, mon match face à Bubba Ray Dudley avec mes mauvais choix, ce match face aux Dudley Boys qui était un petit peu difficile. On s'en est sorti quand même. C'était pas mal. On a fait un bon match. Il faut être honnête, on a fait un bon match. Et encore une fois, c'était quand même compliqué. Et ce bug là, avec le non-match contre les Uso. Là c'est bon, là je me sens bien. Mais attention, Seth Rollins n'a pas dit son dernier mot. Seth Rollins me piétine au sol. Il m'attaque sans relâche. Il est impitoyable. Oh, j'ai tenté de reprendre le dessus. Mais Seth Rollins est vigilant. Seth Rollins, oh,
me file un énorme coup de pied dans le dos. Le champion du monde veut m'apprendre qui est le patron. Et je réplique avec un coup de genou dans la mâchoire. Seth Rollins est à terre, il n'a rien vu venir. La tentative de tomber pour battre encore une fois le champion du monde. Et ça passe. Ce match était épique. J'ai adoré ce match. Ah, le danger, j'aime le danger. Une victoire est plus douce quand on a goûté les défaites, mais elle est également beaucoup plus douce quand on a connu la difficulté. Quand on regarde le travail accompli dans ce match, on est satisfait parce qu'on s'est donné à fond pour le gagner et ça a marché. Magnifique, énorme victoire pour moi contre Seth Rollins. Je suis pleinement satisfait de ce match. Ah voilà, là du coup, je suis content de l'épisode parce que jusqu'à présent j'étais bug contre les Uso. J'ai envie d'éteindre la console. Match contre les Dudley, ah c'était compliqué. Et là, victoire. Alors je ne vais pas attaquer Seth Rollins. Non, je n'attaque pas Seth Rollins parce que je suis un mec sympa. Et comme je l'ai battu deux fois, bon, ce serait quand même un petit peu exagéré de faire ça. Il n'a pas besoin de se faire taper en plus. Voilà. Moi je suis un sympa, je suis un mec gentil. Et comme j'ai commis des erreurs, je vais pas non plus avoir la prétention de dire « Ouais, c'est bon, je peux attaquer mes adversaires. » Pareil pour les promos, hein, on m'a précisé dans l'épisode 3, n'oublie pas les promos. Je les oublie pas, hein, c'est juste que pour l'instant, j'ai pas envie d'en faire parce que je n'estime pas que je suis assez important pour ça. Voilà, je ne pense pas être aussi important que ça. Et aussi, j'ai un petit peu peur de faire une mauvaise promo, pour tout vous dire, parce que parfois, les choix qui nous sont offerts sont pas forcément dans la direction qu'on voudrait orienter la promo, quoi. Voilà. Donc du coup, match mal un classique, donc très bien. Et Cesaro, Dean Ambrose, Mark Henry, Randy Orton et The Rock ont apprécié ce match parce qu'ils sont courageux comme moi. Et Seth Rollins, bien sûr, me déteste de plus en plus. Aïe aïe aïe, la jalousie. Ah, formidable. Bon, je regarde juste les résultats des deux derniers matchs, ok. Victoire d'AJ Styles et de John Cena. Pour parler un petit peu du mode univers, c'est vrai qu'on m'a posé la question à quelques reprises. Je vais probablement, c'est pas encore sûr, mais je pense que je vais probablement faire une série sur le mode univers. Je réfléchis encore un petit peu à comment je vais la faire, pour être honnête. Histoire qu'on ait un truc quand même un petit peu plus sympa que sur WWK16 où je suis parti un petit peu dans tous les sens. Mais j'attends au moins un patch, en fait. Parce que 2K a déclaré qu'un patch était en cours de préparation. Et le 20 octobre, donc 20 octobre 2016, ils ont précisé qu'ils avaient soumis du coup le patch pour l'approbation de Sony et de Microsoft pour pouvoir qu'il soit disponible sur les Xbox Live et le PlayStation Network, donc pour pouvoir mettre à jour les jeux, les patcher. Donc je vais au moins attendre le patch, voilà, histoire que ça règle un petit peu le problème des matchs en plus si on fait des matchs de titre. Et même après ça, j'attendrai d'être vraiment sûr de ce que j'ai envie de faire et de ce que je peux faire également pour faire un truc qui soit un petit peu sympa où on a vraiment une continuité dans les histoires, parce que c'est ça qui manquait dans WWK16. On avait des épisodes qui étaient assez indépendants les uns des autres parce qu'il y avait très très peu de liens en fait. Donc je vais réfléchir, je vais méditer histoire de voir ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire surtout, parce que c'est important pour que je puisse m'y investir sincèrement et que je puisse y prendre du plaisir également. En tout cas, en ce qui concerne ce mode carrière, je suis soulagé parce que l'épisode 3, c'était compliqué. J'ai gagné un match, j'en ai perdu un. Cet épisode-là, ça a commencé pas très très bien, et par contre, ce match était vraiment très plaisant. Même si je l'avais perdu avec le curb stomp, je ne l'aurais pas mal pris parce que c'était un très bon match. Et vous savez quoi, on va remettre ça avec Seth, on va s'affronter à SmackDown, et je ne sais toujours pas pourquoi Fandango m'a aidé. Est-ce que Fandango m'aime bien? Mais je pense pas qu'il m'aime bien parce que... Ah quoi que, non, il est pas du côté des rivaux. Alors attendez, Fandango. D'ailleurs, attendez. Bah tiens, il est où Baron Blade? Je sais qu'il est là, hein, je sais qu'il est dans le jeu. Mais Fandango, je sais pas où il est Fandango. Il est perdu. Ah bah tiens, il est là Baron Blade. Pourquoi il est là, j'en sais rien. Bon, je sais pas. Je ne sais toujours pas pourquoi Fandango a voulu m'observer pendant mon match. Peut-être fait-il de l'espionnage. Eh ouais. Bah, il nous a déjà battus. Pourquoi est-ce qu'il veut m'observer? Aucune idée.
C'est très étrange. En tout cas, lors du prochain épisode, je commencerai à SmackDown pour affronter Seth Rollins. Encore une fois, Seth Rollins Cavebreaker, numéro 3, seulement à quelques jours du premier pay-per-view de ma carrière, qui est... c'est Payback, c'est ça? J'ai pas fait attention, c'est Payback, oui, je me souviens du logo. Donc, on se retrouve à Payback... à SmackDown, pardon, avec Seth Rollins. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.